Coucou les scrappeuses, ici Camille et les scrappeurs. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto. Je vous ai dit dans ma dernière vidéo que je voulais vous faire un petit tuto en utilisant bien évidemment. Pardon, oh là, ça passe, hein, mes nouveaux joujoux. Les acryliques marqueurs de chez Arctix. Et. Voilà, j'ai sorti la boîte de couleurs vibrante. Vous avez les liens en barre d'infos avec un petit code promo. Je vous rappelle, hein, ces feutres qui sont à base d'eau et de peinture acrylique, donc non toxique, non toxique pour les enfants, ce qui est quand même super important. Sont vendus une soixantaine d'euros la boîte de 60, mais vous pouvez aussi les acheter à l'unité sur le site. Vous avez le lien pour Amazon ou comment pour la boutique et pour AliExpress aussi, hein. Et moi, voilà, j'en suis très contente. Donc, je voulais faire un petit, hop, je les enlève. Je voulais faire un petit tuto avec vous avec ces petites magnettes que j'avais eues chez Action, que je trouvais ça sympa. Je trouvais que c'est des cadeaux un petit peu originaux qui changeaient pour faire des échanges avec les copinettes. Donc, on y va. On y va, on y va. Je vais faire un petit fond. Donc, pour faire un petit fond, je voulais vous montrer ma petite créa. Pour celles qui ne me suivraient pas sur Instagram, j'ai terminé ma petite créa. Donc là, j'ai fait un petit fond aquarelle et vous avez vu, on peut tamponner par-dessus et ça recouvre complètement. Hein, voilà. Et j'ai mis la petite étoile de mer, hein, que j'avais peint d'ailleurs avec ces feutres acryliques, hein, qui marchent très très bien. Voilà. Et vous voyez, j'ai une jolie petite créa toute simple, hein, une jolie petite page. Voilà, que j'ai fait. Voilà, pour les tester. Alors, là, je vais faire pareil, je vais faire un petit fond. Donc, j'ai sorti cette petite distress-là. J'ai sorti les petits pochoirs que j'ai eu à Noël de chez Art by Marlène, puisque vous savez que j'adore. Voilà. Ils sont tout petits, ils vont tip-top pour ça. Donc. Et ça marche très très bien sur cette matière canvas, hein, qui est et comme il faut faire un peu sécher, j'en fais toujours au moins deux à la fois. Regardez-moi ce joli petit fond. Voilà. Vous avez vu en 3 secondes. Hein. Franchement, il y a vraiment des fois les gens me disent c'est dur les fonds, mais là, celle-là, il y a encore plein de peinture. Hop, un petit coup d'eau. Zou. Voilà, je vais reprendre une petite lingette parce que je m'en suis mis plein les doigts. Donc, vous avez vu, je mets de l'eau, hein, et puis je recouvre. Et puis, je vais faire pénétrer. Mais là, il faut laisser sécher. Voilà. Hop. Et ça me fait un petit fond qui est super sympa. Voilà. Vous voyez, hein, des fois, on veut faire. Ça fait toujours. Moi, je fais recto verso maintenant à chaque fois. Hop. Ça, c'est fait. Je voulais vous montrer pour qu'on peut tamponner directement dessus. Alors, j'ai sorti des petits tampons. J'ai pris cette planche de tampons de chez Art by Marlène. Voilà, que je n'avais pas encore beaucoup utilisée. Et vous montrer, voilà, que je vais faire. Voilà, je vais me servir de cette planche-là. Donc, je tamponne. Je vous montre le principe avec de la Versafine claire, qui est une encre à base. Hop. Voilà, qui est une encre pigmentée et qui n'est pas aquarellable, hein, qui est waterproof. Hein. Voilà. Donc après, je vais pouvoir finir, refaire les dessins et tout et tout.
Je vais utiliser que celle-là, hein. Donc ça, je mets de côté. Je vais faire sécher, je vais vous montrer. Hop, voilà ce que ça peut donner. Donc là, on laisse sécher. Donc là, celui-là, je le laisse sécher. J'en ai préparé un autre avec le même principe. Voilà, sur le rond, avec le rond. Et je voulais vous montrer, ben, du coup, après, on choisit... Bon, celui-là, je le laisse sécher en attendant. On choisit ses feutres, hein, pour sa petite créa. On a le choix, hein. Moi, en plus, j'ai deux boîtes, mais là, j'ai pris qu'une boîte, hein, quand même. Ça fait déjà beaucoup. Ça laisse beaucoup de choix. Et puis là, bon, on fait selon son inspiration, hein. Il n'y a pas de... Voilà, faut juste aller... Vous voyez, ça recouvre complètement. On va pouvoir mettre deux couches même. Donc, on laisse sécher. Après, on pourra remettre une autre couche. Je vais faire sur une plus grande surface là pour montrer que ça recouvre... Voilà, complètement. Hop, je referai mes petits traits après, hein. Voilà, là on les voit encore un petit peu, mais quand ça va sécher, on verra plus beaucoup et de toute façon, on pourra faire une autre couche. Hein. Je vais mettre les petits cœurs en rouge, bien sûr. Donc là, moi, bien sûr, j'ai tamponné parce que je ne suis pas une superbe experte pour les dessins. Mais vous pouvez très bien décider de vouloir faire vous-même des dessins. Hein. Si vous êtes une artiste en herbe, hein, n'hésitez pas... N'hésitez pas à exploiter vos talents. Bien au contraire. Hop. Oui, ça marche très bien. C'est sympa, hein. C'est sympa, hein. Après, un petit bleu comme si c'était la plage. Voilà, ça nous permet quand même d'être... d'être assez précis. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Alors, voilà, on réfléchit un peu à des couleurs quand même qui s'harmonisent à peu près, hein. Faut quand même pas faire un... Après, on peut faire un multicolore. Hein. Je repasserai les rouges. Après, hop. L'avantage, c'est que ça sèche super vite. Après, on reprend le crayon noir ou on reprend
Alors, je vais déjà remettre mes petits traits rouges. Voilà. Voilà, regardez comment c'est trop beau. Une petite porte rouge. Mais avec des feutres comme ça, vous pouvez faire à vos enfants. Voilà. Un superbe dessin. Regardez comment c'est trop beau. Bon, c'est un peu d'accord, ok, c'est du enfantin. Voilà, moi j'ai un petit crayon qui va me permettre de refaire les petits traits. Regardez comment c'est joli. Hein, c'est joli cette petite. Et puis après, dans mes petits trésors, je vais trouver une boîte. Dans ma petite boîte de trésors, je vais trouver une petite étiquette pour choisir une petite étiquette qui. Je ne sais pas qui va représenter un peu le cadeau. Je ne sais pas si on lui fait. Qu'est-ce que. Pour qui ça sera. Alors, c'est essentiellement des petits mots. Profiter de chaque moment en famille. Tiens. C'est essentiellement des petits mots qui me viennent de chez Scrap Didi. Hein, je vous ai dit, j'ai des petites boîtes. Alors, je vais réduire un petit peu l'étiquette parce qu'elle est un peu grande. J'ai beaucoup, je fais quand je fais un créage, je fais plein de petits mots différents. Hop. Voilà. Trop joli. On va mettre un petit trait. Un petit trait orange pour que ça tienne bien sur ce support. Je vais mettre un petit peu de glossy accent parce que au départ c'est pour ça. Hein. Voilà, c'est vraiment si vous avez vraiment besoin que ça colle beaucoup, beaucoup, le glossy accent c'est formidable. Voilà. Hop. Là, je vois qu'il me manque. Alors, je vais mettre en même temps. Un petit peu de glossy accent sur l'étiquette pour la mettre en valeur. Ça va faire comme si c'était un truc émaillé. Voilà. Je vais laisser sécher. Je vais mettre, comme j'ai un peu pas assez d'orange, je vais mettre un petit rappel d'orange par là. Et un petit par là. Voilà. Et je trouve que ma créa est magnifique. On va laisser sécher. Regardez, ça fait un joli petit cadeau. Voilà, souvenir de vacances hein, qui peut être sympa. J'en ai fait une déjà tout à l'heure hein, pour vous montrer. Regardez.
avec le même dessin de la caravane. Vous voyez, là, le glossy est presque sec. Comment c'est super joli. Ah, ça change. C'est sympa. Ça, je le finirai. Et puis ça, je peux vous montrer aussi que, eh ben, si on n'est pas très, on n'a pas de tampon, de choses comme ça, hein, on prend mon petit cœur. Celui-là, je vais le finir. Après, je prends mon petit cœur qui est comme ça et je vais prendre un petit sticker. Alors, je vais prendre un petit mot. Voilà. Encore un petit mot. Savourer chaque instant. Hop. Je suis en train, vous êtes en train de me demander qu'est-ce qu'elle fait. Bon, après, comme il y en a les trois quarts qui avancent la vidéo, vous ne verrez pas cette vidéo. Vous ne verrez pas ce morceau de la vidéo. Et j'ai ressorti mon petit album, vous le savez, hein, mes 1000 die cuts de chez Art by Marlène, essentiel. Et j'ai sorti, regardez. Il n'est pas beau ce petit poisson? Et je vais mettre le petit poisson là pour vous montrer qu'on peut aussi, parce que c'est pour utiliser les petits feutres que je voulais une démonstration, mais je voulais aussi, hop, vous montrer sur ces petits. Alors, plus haute. Donc là, faut que j'en remette parce que du coup, ça a absorbé. Je n'en ai pas mis assez. Voilà. Là, je vois qu'il y a le petit chapeau qui est vert. Je vais essayer de faire un peu le même vert. Je vais regarder. Est-ce que ça donne? Peut-être pas assez vert. Oui, ça ira mieux. Voilà. Hop. Voilà. Voilà. Regardez comme il est joli. Là, je vais mettre des petits points, peut-être des petits points verts. Vous savez, on n'est pas obligé de. Regardez comment c'est joli. Hop, je vais mettre un peu aussi de violet. Des petits traits violets. Pour faire un petit rappel. Voilà. Regardez comment c'est trop joli. Là, je vais mettre du glossy sur le petit chapeau. Voilà. Et sur la petite trompette. Voilà, je ne vais pas en mettre sur le petit mot. Je verrai ça après. Et voilà, vous avez vu comment on peut se servir de ces petites magnettes, faire des petits cadeaux. Regardez. Super sympa.
en utilisant ces magnifiques feutres, mais surtout en utilisant voilà, ces petites magnettes que j'ai achetées chez Action l'autre fois. Et je les trouve super sympas comme projet. Voilà, en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein plein de gros bisous. Et puis, bonne journée à vous. Bisous, bisous.